Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3. Alors, dans lequel nous jouons l'Allemagne? Oui, j'ai oublié de préciser, j'ai oublié de préciser, effectivement. Alors, voyons voir, quel va être l'objectif aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on va commencer à taper sur les Anglais, parce qu'il va falloir les affaiblir. Parce qu'ils sont trop. Comment ça s'appelle déjà? C'est une grande puissance et il faut leur taper dessus. Il y aura eux à faire, il y aura les États-Unis d'Amérique, pareil. Je pense qu'il faudra faire pareil pour la Chine. Et normalement, ce sera tout. Hein, la compagnie d'un talon, on a le Brésil, si on peut. Ah! Le Brésil, on peut pas? On va peut-être en paix avec eux. Ah, le Brésil, on peut pas? Vraiment? On peut pas en faire un état fantoche. Voyons voir, pourquoi. Faire un pays fantoche. J'ai pas d'intérêt. J'ai pas déclaré d'intérêt, vraiment. Ah ouais! Ah ouais, pour les Landes et le Brésil? Ah ouais, mais il me semble que c'était parce qu'ils étaient. Ouais, ils étaient sous mon protectorat il n'y a pas longtemps, le Brésil. Ce qui fait que je pouvais pas les prendre. Ça me va. Là, c'est bien. T'as l'Oello qui est en train d'unifier tout ça. Ça fera beaucoup moins de pays à attaquer pour prendre. Voyons voir. Dans le Galles du Sud. Voyons voir. Bon, allez. Pas de suspense. Information. Je veux savoir ce qu'ils ont comme diplomatie. Ah, ils ont un paquet de fantoches. Hein. Ils ont tous les petits pays là. Ouais. Ouais, donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut leur demander de libérer? Est-ce qu'on peut leur demander de libérer un peuple tout simplement? Ah ouais. Non, ça s'est transféré, mais c'est pas intéressant. Libérer le sujet. Ah mais non, c'est pareil, c'est transférer un sujet ou libérer un sujet, donc je suppose qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est libérer un peuple, truc comme ça. Y a pas bon. Si je prends ça, ouais, je prenne Home Counties. 5% de son PIB, c'est tout? Qu'est-ce que je pourrais lui prendre qui lui ferait mal? J'aimerais savoir ce qui lui rapporte le plus en PIB. Ah, j'ai pas la possibilité d'aller voir. Genre, si je prends au hasard ici. L'Est Anglie, on est à 7%. Ouais, je vais devoir faire comme ça, c'est pas ouf. Hein. 10, ouf. Ah oh, ouais, les Midlands. Comment ça se fait que je peux incorporer. C'est pas normal. Ah, il a pas incorporé là. Ah, il a pas incorporé l'Irlande. Ah ouais. Ok, ouais. Ouais, non, mais on va rien dire. Ouais, on peut lui prendre les Midlands. Hein. En plus, ça lui couperait son territoire presque en deux. Presque, parce que là, il y aurait le passage en West County par le pays de Galles. Ouais, on peut demander la conquête.
Hop là, allez, c'est parti, ça va être notre première... notre premier but, libérer le pays. On va libérer l'Écosse. Non, l'Irlande. Je peux libérer l'Angleterre. Non, on va libérer l'Irlande. Ça a marché? Ou ça a pas marché? Ah si, ça a marché. Et juste pas mal de manœuvres. Libérer le pays. Donc ça, c'est pour l'affaiblir, hein, bien évidemment. Libérer le pays, on va libérer l'Écosse. On va transférer des sujets, si on peut. Alors... J'ai une frontière ici, moi. On va lui demander... on va lui demander Johor. On va voir s'il est aidé. Après, c'est tous les petits pays ici. Hein. Voilà. Là, on n'aura pas trop de soucis à se faire. L'Italie, elle va gagner tranquillou bilou. France. France, elle devrait envoyer du monde ici. Hein. Là, on est gagnant. On est gagnant. Bon, t'as la France qui galère un pouya. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pas très grave ici. Là, c'est bon, là, c'est bon. Et moi, je prépare un petit débarquement, de hein, toute façon. Ouais, un petit débarquement surprise. On va voir, au niveau du budget... Ok, on est bien. On a, ah oui, l'assurance maladie publique. Ça va coûter, ça va coûter une blinde. Excusez-moi. Quelques allergies là dans le coin. Ah oui, donc il est vraiment aidé par... par qui? Par Oyo. C'est où? C'est où Oyo? C'est où l'Oyo? Ah si! Voilà. Ça m'est revenu juste avant de cliquer. On va les prendre. Je sais pas si on peut transférer. Non. Ah, je peux pas. Ah si, je peux faire des Oyo en état fantoche. Impec. Et je peux encore ajouter un truc, hein, je pense. Hein. Je peux conquérir un état. Oh oui. Il pourrait être intéressant d'aller chercher comment ça s'appelle j'ai aucune idée de comment s'appelle cette région ici Abuzès Abruzès, ok. Ça me coûte 25. Mais au moins on le fera sortir d'Italie. C'est soit ça. Soit je prends Home Counties. Ouais mais Home Counties. Là où il y a sa capitale. Franchement si je la prends ça lui fera tellement mal. Ouais allez. Hop là voilà. Ok. Oula il dit c'est le bug aujourd'hui. Alors voyons voir si on fait un récap. On prend les Midlands. On libère l'Écosse et l'Irlande. C'est quoi bien l'affaiblir. On transfère Johor. On fait de l'Oyo. Donc l'Oyo qui est là. On le fait un état fantoche. On transfère Johor qui est là-bas. Et on prend Home Counties, donc qui est l'état de sa capitale. Révolution au Niger, révolution au Sénégal. Ok, ça c'est local. Je vais aider notre fantoche, la France, qui galère quand même pas, comme mon PC on dirait aujourd'hui. Oh purée, comment ça se fait? Voilà.
On va l'envoyer là, on va envoyer des petites troupes de ci, de là. Voilà. J'en oublie pas spécialement. Ah si, si, ça c'est chez moi en plus. Donc, hop là. Voilà. Et là, je mobilise les trois dernières pour pouvoir les envoyer, au moins en envoyer deux. Traverser la mer. On est toujours en construction automatique hein, qui fonctionne pour l'instant. Ça va. C'est pas optimisé, mais ça va. On est en 1908. Ça nous laisse 20, 28 ans pour conquérir le plus possible. Pétrole est cher. Ouais, faudrait peut-être que je soumette aussi l'Empire ottoman et l'Égypte. Oh mince. Oh là, oh là, hé oh, le PC, tu vas te calmer aujourd'hui, c'est dimanche, hein? Ouais, parce que le truc, c'est qu'on va sûrement avoir besoin de pétrole. Enfin, on a besoin de pétrole, on a vu, il était cher. Et on sait qu'il y en a en Égypte et au niveau de l'Empire ottoman, en Arabie, etc. Le problème, c'est que j'ai la. Enfin, je suis obligé de prioriser, on va dire, l'Angleterre, les États-Unis et la Chine. Les affaiblir maintenant pour pouvoir les annexer plus tard. Si je le fais pas de suite, je pourrais pas les annexer à terme, en fait. Ça, c'est problématique. Ok, excusez-moi pour cette interruption. Ça devrait être mieux. Oui, donc je disais, on va aller choper. Oui, voilà, les pétroles un peu plus tard. Un peu plus tard, mais pas trop tard non plus, parce qu'il me semble que le marché en a grandement besoin. C'est où? Ça doit être là. Hein. Oh oui, oh purée. Le marché en a vraiment grandement besoin. Et on va voir qu'est-ce qu'ils veulent. Pas assez de soins de santé. Pas affecter de la bureaucratie, on a ce qu'il faut. Ah, quoique 10%. Attendez. Ah, plus 5 de bureaucratie. Non, 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 c'est bon. Voilà. 54,9%. J'ai pas besoin de bureaucratie là. Plus 25 000. Je pense que ça devrait aller pour l'instant. Par contre, le budget il fluctue, c'est fou, hein. Il fluctue énormément. C'est assez impressionnant. Oh, la vache. Oh, ils ont vraiment renoncé. Ah, j'aurais pas cru. Je pensais pas du tout qu'ils allaient renoncer à ça. Je vais devoir faire pareil sur eux. Faire ça, mais pour le district de Columbia, hein. C'est pas de PIB, mais c'est leur capitale, quoi. Si je prends leur capitale, c'est plutôt correct. Parce que je peux pas, hein. Ah, non, je peux pas. Ah, pour conquérir l'État. Ils sont combien? Hey, ils peuvent être sympas à affronter, en vrai. En vrai de vrai. Ils peuvent être, je dis bien peuvent être rejoints par les Britanniques, ça m'irait. Là, en vrai, c'est un bon gros morceau. Je vais en envoyer en défense quand même au niveau du Canada, faut pas déconner. Là, je vais mobiliser en attaque. Voilà. Purée, ça c'est génial. Ça n'a aucun sens, mais c'est magnifique.
En plus, ouais, ils en ont du pétrole lui aussi, je suis à peu près sûr. Tant qu'à faire, enfin d'une pierre deux coups. Eux, ils ont plus de charbon, des trucs comme ça. D'ailleurs, ils ont quoi dans les Midlands? Ah oui, charbon, fer, soufre, etc. Ça, c'est bien. D'ailleurs, ce que je vais faire, hop, action, c'est ça. On va réinitialiser, blabla. Voilà. Ils ont pas de port. Laisse-moi deviner. Et bingo. Hop. Je vais en mettre un en construction en urgence, le port. Parce qu'effectivement, ça peut poser problème. Puis on a récupéré des habitants, c'est bien. On a récupéré combien? 4 millions. On a récupéré 1% d'habitants. Magnifique. N'est-il pas? Soutien Liberia. Oh, ok. Donc on va faire transférer un sujet. Le shogunat japonais, ouais. Grave. Liberia, Salvador, Costa Rica. Hein. Il est où le Liberia? Je le vois pas. Je l'ai sous les yeux ou Costa Rica, Salvador, bah, le Liberia, il est où? Attends, je sais pas du tout. Je l'ai. C'est pas une petite île? Ah mais je suis bête. Non mais oui, mais non, mais ouais, laisse tomber. Je suis fatigué là. Le pire c'est que non, je suis même pas fatigué en plus. À libérer un sujet. Non, libérer le pays. C'est là que ça a piqué pour eux. On va libérer la Nouvelle-Angleterre. Ça va lui retirer toute cette partie-là déjà. On va libérer un pays. La Nouvelle-Afrique, ce sera tout le sud, ça peut être sympa aussi. On va faire là j'ai plus beaucoup de d'objectifs. On va transférer. Ouais non. Je peux en libérer un autre, non. Je peux pas en libérer. Non, on va faire transférer le sujet. Ah, ça peut être sympa d'avoir le Salvador quand j'irai chercher le Mexique. Parce que le Mexique, ça me fera un pied à terre au Mexique. Enfin, ça me fera un pied à terre non loin du Mexique. Ok, on nous a mis sous embargo, c'est pas bien grave. Là, il devrait pas abandonner, lui. D'ailleurs. Je suis en train de me dire peut-être que je devrais recruter un connaissance de cause. Lui, il n'y a personne. On va mettre ça. Voilà, je mets les généraux qui sont pas forcément fous sur les petites armées. Il est intellectuel, escroc, ouais, par exemple, là, on n'en veut pas. Maltique. On va mettre syndicat de travailleurs, il est pas ouf. Nièpre. Lui, ça parce qu'il y a de la population, enfin ça va, il y en a un peu. Là, on va mettre les rues où il n'y a personne. Non, d'ailleurs, non, même pas parce que ça va leur augmenter leur pression politique. Ça, je veux pas. Pire parce qu'il n'y a personne. Voilà, et lui, il est tenace. Lui, il a pas mal de bons points là, sud de l'Allemagne. J'ai deux à recruter au sud de l'Allemagne. Orateur de génie, pas intéressant. On va voir si j'en ai d'autres. Ah, j'ai personne d'autre. Super. Ah bon, il n'y en a pas un autre là? Démagogue, ouais, c'est bien, il se fait bien voir, mais il est pas ouf quoi. Défenseur acharné. Romantique, hein, c'est bien, mais moins d'attaque.
Marcus, tu dégages. Voilà. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Ce qui fait que, si je me trompe pas, alors, il y a ces deux-là, ouais, c'est ça, ces deux-là à promouvoir à balle, enfin, au maximum, quoi. Et de 1. Voilà, et de 2. Comme ça, on devrait avoir ce qu'il faut. Ce qui peut être intéressant également, c'est de faire un peu de flotte. Alors, la vraie question, c'est est-ce que j'ai assez, par exemple, pour Vénétie de. Oh oui, mais j'ai plein de sans-emploi! Allez, tu sais quoi? Voilà, en Vénétie, en Istrie. Et en Croatie. Là non, pas en Dalmatie parce que. En vrai je peux. Hein. En vrai je peux. Allez, tu sais quoi? Voilà. Ah bah en fait si je pouvais. Ah mais non mais c'est pas le même endroit si. Ah non d'accord, j'en ai sur deux. Ah mais attendez, ça va changer tout ça. Parce que là en fait j'ai deux QG, ok, là j'en ai un autre, charrie. Monténégro allemand, ouais bon. Je dois bien avoir des habitants ici, non? Oui, j'ai des sans-emploi. Par contre, j'en ai vachement des sans-emploi là d'un coup. Combien il y en a? Ah non, le jeu, s'il te plaît. Merci. 12 millions. Ok, bon, bah ils sont agglutinés au même endroit, j'ai l'impression, c'est bizarre. Hop, voilà. Puis là, oui, si ça leur fera du taf. Ils seront contents. Bon, par contre, je vais très certainement avoir une petite pénurie de. Sérieux, c'est pas passé à 50 et quelques? Bon. Je vais peut-être avoir une petite pénurie de bateaux là. On va augmenter les niveaux, je crois que c'est. Où est-ce que je les ai mis? C'est pas un ogre? Freeze. Je suis à peu près sûr qu'ils sont en freeze. Ouais, voilà, chantier naval, j'en ai un. Ah, ouais, non, mais d'accord. Chantier naval, j'en ai 4. Chantier naval, j'en ai 20. Comment dire qu'on va pouvoir en rajouter pas mal, hein. On va en faire 10 là où on a moins de 10 et là j'en ai fait 50 je crois en freeze. Ouais voilà. Ok, là vu qu'on fait de la construction qui... gouvernementale, ça baisse mais c'est pas très grave. Ok, le pétrole a été découvert en Angola. Ah sérieux, ça suffit pas? Bon. On va voir ce qu'il faut pour défendre le Canada quand même. Il en a mobilisé 600 déjà. Hein. Eh, pas mal, pas mal. Bon après, je crois qu'ils sont pauvres, mais pas mal. Hein. Ah oui, j'ai lu un commentaire aussi qui me disait... Allez chercher... ah, je peux pas ici, d'accord. Allez chercher de l'opium. Alors oui et non. Je vais vous expliquer. En gros, c'est bien, comme il disait, en fait, ça va augmenter l'efficacité des bataillons. Seulement, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est que ça peut les rendre dépendants. Et ça, j'ai plus de mal. Stratège défensif, expert. Alors, on va le mettre là, lui. Stratège offensif, expert. Offensif. Planificateur offensif, stratège défensif, il est bon lui aussi. Et là les deux ils sont planificateurs d'offensif, j'espère. Hop, voilà. On envoie tout le monde sauf deux qui iront qui eux iront au débarquement. Ok, mais radio c'est bien.
Ouais, mais non. Parce qu'il faudrait que j'aille choper. Si on s'entend trop bien, ça va être compliqué d'aller les prendre. Donc, non, ça je peux pas. Oh purée, j'ai un amiral qui vient de tomber. Vraiment pile au moment, quoi. D'ailleurs, on va les promouvoir au max. Ok. Marine, recruter des amiraux. Ouais, j'en ai à quelques endroits, mine de rien. Mais bon, pas très très intéressant. Voyons voir. Pilleur de convoi, bandit, hédoniste. Brave, c'est accessoirement commandant. Ça me fume. Ils sont pas fous, hein. Je prends celui-là. Je vais le promouvoir, hein, pareil. Voilà. Et il va pas abandonner. Et il va pas du tout abandonner. Parfait. Il y a moyen de gagner beaucoup, de lui faire perdre beaucoup surtout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes deux amiraux et j'envoie en invasion navale sur le district de Columbia. Avec Paul von Hartmann. Hartmann, je sais pas. Et avec il est au district de Columbia. Il est où, il est où, il est où, il est où? Assos. Arendt. Hop là, voilà. Ici, on a du monde en route. Je pense que s'il y a une première bataille, ça va être compliqué. Hein. 108 contre. Contre 684. Ouais, autant dire, c'est pas non plus trop simple quoi. Là, il envoie du monde, mais ce sera trop tard avec un peu de chance. Ah, zoomé. Ok, ça a pris ce qu'il fallait là. Tous les francs français, ils ont un petit peu. Non, ils ont personne en défense là d'un coup. Ok, il n'y a plus que ça. Là, tant qu'il n'y a pas les 157, on peut gagner. Ok, ce sera gagné normalement. Et là, voyons voir comment ça se passe. On est en défense. On a une bonne défense. On est moins. Putain, on est bien moins nombreux. Vache. Attends, mais qui c'est à moi ça? Ah ouais, c'est à moi. Ok. Est-ce qu'on va gagner? Ça va être compliqué, hein. Ça risque d'être compliqué. Quoique, il a de grosses pertes. Même si on gagne pas, là, on lui fait de grosses pertes. Les amiraux ici, ça devrait. Hein. Oui. Ici, ça va tomber tout seul, là. Vous allez voir. Les amiraux, ils en sont à. Se prépare. Force 7 jours, ok. Alors, on a l'assurance de maladie publique impeccable. Donc là, on a deux choses à faire. Déjà, oh la vache. Oh, ça c'est beau. 100% de légitimité. Ok, on a ça. Ça c'est bien. Multiculturalisme, c'est bien. Ça, je veux garder. On est en censure encore? Ah ouais, ça peut nous augmenter la diffusion technologique, en effet, mais ça me retire de l'autorité, mais je m'en fous au final. Ah, la sécu. Ah, la sécu. Pas ouf. On a maladie publique, donc sur les institutions, est-ce qu'on a moyen d'augmenter quelque chose? Non, toujours pas. Le système de santé, il veut pas. Hein. Et je voulais voir si on avait assez au niveau. Au niveau armement, on est correct, on est très bien. Voilà, ce qui fait que là, on a un débarquement, 60 contre 4.
Même s'ils sont pas mauvais, on devrait quand même le prendre. Là, il y a une petite bataille navale. Normalement, on a la supériorité. Attends, quoi? Ah oui, ok, là, c'est égalité. Et on est à égalité à ce niveau-là. Ok, impeccable. Regardez, même ça, on va réussir à l'avoir. Malgré une bévue, etc. Enfin, on va réussir à défendre. Par contre, les stats de la bataille. Bon, ça va. Ça, on a fait tomber la Libéria, en tech. Ouais, si, c'est bon. Là, on a une double attaque, hein. Là, ça leur pique un peu. Hein. Là, faudrait que ça attaque ici avant que je prenne la zone pour pas qu'ils aillent trop défendre de suite. Dommage. Ah, pouille, trop tard. Échec de l'invasion navale. Bah, si, ça marchait. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Alors, y a qui, général? Ouais. Et toi, mon ami, tu vas aller. Hop, avancer ce front-là. Alors, on va y envoyer 300. 300 000 troupes. Ouais, il envoie à peu près pareil. Là, on peut avancer avant qu'il arrive. On a tout le district de Columbia en plus. Ouais, on a fait tomber sa capitale. Donc on est impeccable. Ouais, ah oui, ça. Production de plastique. Bah là, pour l'instant, c'est compliqué. Ah ouais, mais là, on leur fait mal. Hein. Waouh, ouais, on leur fait très mal. On a beau être loin. Je vérifie qu'on n'a pas un autre front qui s'ouvre par pur hasard. Non, c'est bon. Là, on a une supériorité. Ah, mais toi, t'es défensif. Non, et les deux autres, oui, voilà, je l'ai gardé. Je voulais vérifier au cas où, mais ils ont bien des bonus défensifs, donc on va garder ça. Wouah. Ah ouais. On leur fait bobo. On leur fait plutôt mal. Ils ont commencé en supériorité, les pauvres. Ils sont déjà en infériorité, quoi. Au bout de 2 jours. Hein. Même pas. Là, ça va vite, hein, forcément. On a fait tomber sa capitale. Montant des prêts. Ah ouais, en plus, ils sont des prêts, ouais. D'accord. Donc là, ils prennent cher. Ça devrait être rapide. Un petit Québec là aussi, hein, ça pourrait être sympa, mais bon, c'est le Canada, ils sont à moi, donc on va pas les libérer. Pour anecdote, j'ai essayé de faire un let's play narratif avec le Canada, mais en fait le départ est trop difficile. Il n'y a pas beaucoup de population, t'as aucun marché. Enfin, si tu quittes l'Angleterre, t'as plus de marché intéressant. J'ai essayé de rejoindre celui des États-Unis, mais ils voulaient pas. La France, pareil. Ce qui fait que c'est assez compliqué. Mais là, je suis en train de réfléchir à un type de let's play, un let's play narratif court. En fait, un let's play narratif à épisode unique sur la Belgique. La Suisse
actuellement parce qu'ils sont assez faciles à jouer. J'avais essayé, je crois, sur Maroc et Algérie, mais j'y galérais parce qu'en début de partie, bah, ils se font taper dessus par les Anglais et la France. Mais en gros, un épisode unique avec un objectif unique. Par exemple, bah, comme on disait, on peut dire le Luxembourg, ça peut être premier producteur de luxe. La Belgique, ça peut être colonisation d'un endroit. La Suisse, moi j'avais fait une Suisse de communiste, mais avec tout, vraiment tout à fond dans ce côté-là. Ça peut être drôle, ça peut être très drôle, des objectifs à la con. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me proposer. On va voir si ça me plaît, et si ça me plaît, avec grand plaisir, je le ferai. Ouais, on va. Ok, on a pris un petit peu au sud. Oh! Exactement, exactement, tu as tout compris. Comment que ça se passe ici? Ouais. C'est vrai que j'ai des colonisations là, ici. Hein. Et ça colonise, mais pas vite, hein. Ah, ils ont pris tarif ici, hein. Regarde. Hop, tac, 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 tac. Moins 949. Oh bon. Ah bon, on va les faire tomber à zéro, hein, de toute façon. S'ils veulent pas. Je suis obligé de défendre en attaque, ça passera pas. Hein. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ou alors je peux créer un autre front. Attends, mais j'en ai un qui s'est barré là, j'en avais plus, non? J'ai mal vu. Voilà, j'en ai emmené que 3, hein, non, ouah! Ah ouais! Ah ouais, non, mais 800 contre 800 000 contre 300 000 aussi. Bon, alors, on va se mettre en défense. J'avais pas vu. J'avais clairement pas vu. Eh ben! Ouais, je vais me mettre en défense, ça m'évitera d'avoir trop de pertes. Lui va se casser les dents. Ce que je peux faire même, c'est ramener un de ceux qui est là. Expert défensif. Hop, chut. Le mettre là-bas. Lui demander de venir. Et ça devrait. Là, il n'y a plus qu'à attendre. De toute façon, on a fait tomber sa capitale. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? C'est quoi ce bazar? Ah, d'accord. Non, c'est la France qui attaque. Il a pas compris que c'est pas ouf quoi. Surtout si ça me fait perdre du territoire, je sais pas. Hein. Non, quand même. J'espère pas. Oui, c'est. Ah oui, ça grince ça. Oh la vache. Oula! Oh là, j'ai mon bureau qui se casse la tronche. Attendez. Ah oui. Va falloir remettre un petit coup de vis, hein. ouais, on va voir comment ça se passe ici. Ça se passe bien. En vrai, de vrai, leur puissance, en fait, elle est due à leur capacité de. Comment ça s'appelle? Ah. À ça là, les bataillons conscriptibles. Parce que sinon, ils sont pas bons. Hein. Après, d'un sens c'est fort, mais d'un sens c'est faible aussi. Alors je vous explique. Mais ça veut dire qu'il doit avoir soit tout le temps une production d'armes énorme,
ils savent pas quoi en faire. Soit bah, quand ils ont trop de conscrits, en fait, je sais pas si ça peut se voir, hein, je sais même pas si c'est le cas ou pas, mais ils vont avoir des malus. Mauvaise visibilité. Alors, je sais pas si c'est. Qui c'est qui est. Je sais pas qui est l'attaquant, qui est le défenseur ici. Ok, c'est eux qui défendent. Ok, ils auraient pas de malus? Genre. Ah si, voilà. La pénalité actuelle, pénurie de munitions, opium automobile. Ah bah. Ça va évoluer vers un malus, je crois, de 50% de ses stats. Donc autant dire. Bah c'est, ça fait du monde, mais de la chair à pâté, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas très très efficace, hein. Alors en début de partie c'est fort parce qu'au début c'est plus le nombre qui fait c'est vraiment le nombre en fait qui va faire la puissance. Mais en fin de partie, pas ouf. Hein. Ouais. Ouais, si vous voulez jouer avec bah, justement les conscrits, faites-le en début de partie et changez-le après. Ah, c'est mon avis, hein, mais voilà. Bon, voilà, pendant que ça tourne, j'ai revissé mon bureau. Ouais, pétrole découvert. Oh, plateforme pétrolière. Ça m'intéresse, ça. Attends, la loi, elle est pas passée. Tu te fous de moi? Si, je suis con, c'était pas ça. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les construire. Oh, il y en a 4. Un peu plus. Oh, on a pas mal ici. Oh, ok, j'aime ça. Si on n'a plus de problème d'approvisionnement. Ah, je suis désolé. Les allergies, c'est compliqué là. Ok, ça y est, ils ont commencé à passer dans le négatif aussi, ça se voit. Ça se voit. Ah, oh la vache, en plus j'ai déverrouillé ça. Alors, déverrouille infanterie des squads. Et là, on va augmenter. Alors, je veux juste voir avant si là c'est bon. Ouais. On passe de 40 attaques, enfin plus 40 attaques, plus 40, 60 de défense, moins 10 perte morale, etc. Plus 50 d'attaque. Donc là, il y a une différence de 15 en attaque, de 20 en défense, de 2 en perte de morale, et province. On a plus de malus de province capturée. On garde notre bonus de province perdue. C'est parfait. On va faire ça. Alors autant dire que bon, il y a un temps d'adaptation. Je sais plus si c'est noté ou comment c'est. Je sais plus où est-ce que ça se voit, mais j'avais lu en fait, t'as un temps d'adaptation après quand tu changes. Je vais voir, je vais prendre une province là, je prends là. Non, c'est pas là. Enfin, en gros, t'as un temps d'adaptation quand il change d'un type à un autre, là, par exemple, de trancher
Infanterie de tranchée, infanterie d'escouade. Elles seront pas efficaces de suite de suite. Bah imaginez-vous bien, sinon ce serait tricher. Enfin, ce serait facile. Tu mets en infanterie régulière, ça consomme rien. Tu fais passer en infanterie d'escouade que quand t'as un problème. Bah non, ça marche pas comme ça. Hein. Ce serait bien. Oh la vache. Oh les loyalistes. C'est magnifique, j'adore. Regardez-moi ça, presque 80 millions. Par contre, ce type de fenêtre qui fait bugger le jeu. Hein. Bon, les radicaux, 40 millions, mais bon, c'est 10% de la population. Loyaliste, j'en ai 20%. Pétrole découvert en Azerbaïdjan. Ok. Ok, moins 35. Ça s'approche, ça s'approche. Oh, ça va faire un épisode très long, ça. Niveau du d'ensemble, ça m'a coûté 100, 100, oh, 123 millions, c'est pas grand-chose. Ouais, ça par contre, c'est plus chiant. Beaucoup plus par l'attrition, ça me va. Oh là là, il prend cher. Perte de morale. Plus 105%. Effectivement, il a le moral un peu dans les chaussettes là. Oh la vache. C'est vrai que j'ai toujours un renforcement de l'élite intellectuelle. 30%, putain. Je vais. Non, en vrai, je peux le garder. Je vais dire, je vais l'arrêter, mais non. Oh, bah ça y est. Je vais garder. J'ai de l'autorité honorable, donc. Ok, tout a été accepté. Ce qui fait que on a libéré la nouvelle. Oh, tiens, je pensais que c'était plus. La Nouvelle-Angleterre. Donc là, en vrai, ils ont une bonne population en Nouvelle-Angleterre en plus. Et... Comment ça c'est tout? Ah oh non, New York est pas compté dans la Nouvelle-Angleterre, je suis dégoûté. Ah ouais, là ça leur aurait mis un bon coup au PIB là. Ah ben mince. Bref, après il y a la Nouvelle-Afrique, là ils perdent beaucoup. Californie du Sud, la Géorgie, la Floride, l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane. Moi, j'ai zappé. J'ai ça. On va les incorporer, voilà. Regardez en plus. Non, bon, si je me trompe pas, bon, déjà, je vais faire un port. Si je me trompe pas. Ouais. Ah ouais, Maison Blanche. Super. Et est-ce qu'ils sont toujours les deux là on... ah, ils sont encore assez forts. Va falloir taper un peu plus dessus apparemment. La Liberia est devenue. J'ai pas fait un transfert? Autant pour moi. Transférer le Salvador, ouais, c'est ça. Edge exige que nous mettons fin à leur protectorat.
Ah, c'est vrai. Ils se rendent pas compte de leur connerie. J'accepte. Et j'irai les chercher très très bientôt. Allez, ah, ils ont fait une bêtise. Hein. Allez, on va s'arrêter là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. On a commencé à taper sur les deux gros qui restent. Et voilà, je peux en faire un pays fantoche. Ouais, ça marche. Prochain épisode, Empire ottoman Égypte. Allez. Allez, on va faire ça. Allez chercher du pétrole. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Tiob.